comment allait se dérouler finalement ce Parlement régional de la jeunesse? Quelle aurait été la feuille de route? Quelles sont les compétences de la région? Est-ce qu'on peut, on a un budget qui est alloué pour ce Parlement, pour cette instance? Ce Parlement régional de la jeunesse qui regroupe les lycéens en lycée public, privé, les lycéens en sanitaire et social, les étudiants également en apprentissage. Voilà ce que nous voulons pour notre territoire, pour notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des jeunes qui soient les ambassadeurs de notre région, mais également une force de proposition. La région s'engage pour la jeunesse et cette jeunesse est présente aujourd'hui. La jeunesse, c'est notre priorité dans l'éducation, dans la formation, c'est la compétence de la région. Mais au-delà de la compétence en tant que parent, en tant que grand-parent, de porter justement tous ces projets pour la jeunesse. J'attends de pouvoir agir au niveau de ma région, de pouvoir proposer des idées et pourquoi pas faire évoluer le quotidien des jeunes dans la région. Participer à la vie collective et savoir qu'on peut changer un peu le quotidien des habitants de la région. Que toutes les voix sont représentées, professionnelles, générales, CFA aussi. Et franchement, moi, ça m'a motivé. Vous êtes ici chez vous, au cœur de la maison de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Provence-Alpes-Côte d'Azur, au fond, c'est ce que nous aimons. Je vous remercie.